Добро пожаловать в мой канал. 11 départements sont placés en vigilance orange samedi matin. La quatrième tempête hivernale a fait 5 morts et 3 personnes sont activement recherchées. Le Monde 6/1/2018 à 11h53 mis à jour. Le 6/1/2018 à 11h58, une policière disparaît dans la Seine, le fleuve en vigilance jaune. Les recherches ont repris samedi matin pour tenter de retrouver une policière de la brigade fluviale disparue dans la Seine lors d'un exercice vendredi 5 janvier à Paris, a appris l'AFP de sources policières. Les opérations de recherche, interrompues vers 17h30 vendredi en raison de la tombée de la nuit, ont repris samedi, au lever du jour, avec un dispositif comparable à celui de vendredi. La policière, âgée de 27 ans, a disparu dans le fleuve vendredi vers 10h50, lors d'un exercice de routine qui se déroulait à hauteur de la cathédrale Notre-Dame. Un important dispositif avait été déployé après la disparition de la jeune femme. Vendredi après midi, 112 pompiers dont 17 plongeurs, 20 bateaux, 4 équipes cynophiles, 2 hélicoptères et un drone étaient à la recherche de la policière. Le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, et le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, se sont rendus à la brigade fluviale. La crue 2018 Paris https://coilly58vz3y, Emmanuel Rota @Emmanuel Rota. Après le passage de la tempête Eleanor, le niveau de la Seine est monté à Paris, atteignant samedi matin environ 3,60 mètres à l'échelle du pont d'Austerlitz, ce qui correspond à la vigilance jaune. Le niveau de la Seine dans la région de Rouen, la Garonne et la Dordogne dans le sud-ouest, et d'autres dans le Grand Est ou en Franche-Comté s'est également fortement élevé. Elle pourrait dépasser la cote de 4 mètres, d'ici dimanche, selon l'organisme de contrôle Vigicru. C'est tout de même loin des 6,10 mètres de la crue de la Seine de juin 2016. La stabilisation de la Seine est attendue en début de semaine. Deux hommes portés disparus, un citoyen allemand est porté disparu depuis jeudi après-midi, alors qu'il se trouvait à proximité d'une rivière en crue dans son village de Rouvray-sur-Aube, dans la Haute-Marne. D'importants moyens de recherche sont déployés pour le retrouver, a-t-on appris vendredi de la préfecture. Cette personne, qui a des difficultés pour se mouvoir, a disparu, probablement emportée par l'aube en crue, a précisé Françoise Soulimane, la préfète de la Haute-Marne, qui s'est rendue sur les lieux. Aussi, un octogénaire qui avait quitté son domicile vers 19h pour observer la montée des eaux du Ternain est également porté disparu depuis jeudi soir dans le village de Lusnay-l'Évêque, au nord d'Autun, en Saône-et-Loire. Une enquête judiciaire est en cours et d'importants moyens de recherche sont mis en œuvre avec hélicoptère et équipe cynophile, a annoncé le parquet de Chalon-sur-Saône. 5 morts et 26 blessés, dont 4 grièvement. Cette quatrième tempête de l'hiver a coûté la vie à 5 personnes dans les Alpes. Un skieur de 21 ans en Haute-Savoie mercredi, une nonagénaire morte jeudi dans sa maison inondée dans l'Isère, un agriculteur retrouvé jeudi sous une coulée de neige en Savoie, un pompier volontaire de 64 ans a également perdu la vie après être tombé dans un torrent en crue lors d'une intervention entre Isère et Savoie, selon le parquet de Grenoble. Vendredi, un ouvrier a également été tué et un autre gravement blessé à Choisy-Haute-Savoie sur le chantier de rénovation d'une ferme, fragilisée par la tempête, selon le parquet d'Annecy qui a ouvert une enquête. 20 personnes ont également été blessées, dont 4 grièvement, selon le dernier bilan donné, jeudi soir, par le ministère de l'Intérieur. Les pluies devaient persister en plein retour de dizaines de milliers de vacanciers attendus samedi sur les routes en raison de la fin des congés scolaires. La journée est classée orange en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des retours et invite à quitter les stations de sport d'hiver avant 9h ou après 16h. Sécurité routière. Retrouvez tous les détails des prévisions de circulation de bison futé pour le week-end du vendredi. https://coef8uxbec, préfet 87/PRE/ Fête de la Haute-Vienne. Sans compter que des dizaines de coulées de boue, de neige et d'éboulements perturbent encore la circulation et isolent des villages comme celui de Lovetta, au-dessus de Chambéry, ou ceux de Villard-Raymond et Doul, dans le massif de Loisan, dans l'Isère. Surveillance accrue dans les stations de ski savoyardes, le risque d'avalanche reste élevé. Vendredi, le risque d'avalanche, maximal jeudi, est resté marqué à fort, soit de 3 ou 4 sur une échelle de 5.
On appelle à la vigilance extrême, la neige est instable après des pluies en altitude. Le ski hors piste est très fortement déconseillé, soulignait une porte-parole de Val Thorens, plus haute station d'Europe, à 2300 mètres d'altitude. Les domaines ont rouvert progressivement après d'intenses efforts de sécurisation, comme à Tignes-Val d'Isère.